comment avoir de l'eau de façon durable et sans pour autant investir beaucoup d'argent. Le président Macky Sall a interpellé le directeur général de la FAO, particulièrement sur la gestion des précipitations, des eaux de pluie donc, qui se déversent chaque année dans la mer. Le directeur général a alors proposé une solution très simple et peu coûteuse. La construction de citernes pour récolter et stocker l'eau de pluie. Il en avait lui-même fait l'expérience lorsqu'il était ministre au Brésil dans le cadre du programme Fin Zéro. Nous avons construit 19 citernes dans 3 régions, ce qui permet aux femmes qui faisaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau de ne plus le faire. Elles étaient souvent accompagnées par leurs enfants qui, de ce fait, n'allaient pas à l'école. Et désormais, elles n'ont plus besoin de le faire puisqu'elles ont l'eau à disposition devant leur case. Dans le département de Linger, la FAO, avec l'aide de ses partenaires, a construit 8 citernes. Les femmes, dont les activités sont majoritairement pastorales, ont été sensibilisées aux activités de maraîchage. Nous considérons ce programme comme un programme de sécurité sociale. Nous avons choisi des bénéficiaires qui font partie de la bourse de sécurité familiale parce que nous considérons que l'apport de l'eau seul ne suffit pas pour faire sortir une personne de la pauvreté. Il faut de l'argent, il faut de l'eau, il faut des intrants, il faut des sols qui leur permettent de produire, afin que dans une période très très courte, la personne puisse sortir de la pauvreté. À Kaolack, 3 citernes ont été construites pour des groupements de femmes. Chaque groupement possède environ 1 hectare. Les femmes y cultivent des légumes et des fruits pendant la saison sèche lorsqu'elles ont fini de cultiver les céréales. Une partie de la production leur permet d'améliorer leur nutrition et celle de leur famille. L'autre partie, vendue sur les marchés, leur confère un revenu additionnel. C'était très satisfaisant d'aller sur le terrain et de pouvoir regarder combien la vie de ces femmes avait changé en l'espace de 6 mois. Buma commencé ñetti ciabi bi légui musuma wax nit lebal ma suñu baye ñuy dag suñu tamaté. Nous travaillons avec des partenaires. Ce sont des partenaires nationaux comme des ONG locales qui sont très proches de la population et qui peuvent nous aider, faire le relais avec les populations pour la construction des citernes, pour en prendre soin et également pour être formés dans la production agricole. Dans le projet Champ École Paysan, nous accompagnons les femmes dans le renforcement de capacités pour comparer les pratiques paysannes avec les nouvelles technologies agricoles d'adaptation au changement climatique. Maintenant, elles sont plus informées sur les dangers de l'utilisation des produits toxiques, des produits chimiques sur les cultures. Les dangers liés à la santé et à l'environnement. On les renforce dans la production de biopesticides. La FAO n'a pas vocation à construire 1 million de citernes. L'engagement fort des gouvernements est important. Et c'est ce que nous avons trouvé au Sénégal. Le gouvernement du Sénégal s'est engagé à travailler avec la FAO pour démultiplier, mettre à l'échelle ce programme afin que plus de femmes et plus de populations vulnérables en bénéficient. Dans le cas du Sénégal, il s'agira de 10 000 femmes sur les 3 ans qui viennent et peut-être plus si d'autres partenaires viennent se joindre à notre travail.
Cette mise à l'échelle se fera dans le cadre du plan de soutien des Nations Unies pour le Sahel. Le Programme alimentaire mondial contribuera à faciliter l'accès au marché et ONU Femmes apportera un appui pour l'accès à la terre et l'autonomisation financière de ces 10 000 femmes. Le projet 1 million de citernes pour le Sahel répond aux objectifs de développement durable, notamment les objectifs 1, 2, 6, 13, 5 et 10.